Que le Seigneur vous bénisse. Kalenga an belesha. Daniel du temps, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le sujet qui est cet ange puissant d'Apocalypse 10. Je vois que nous allons terminer ça vraiment le dimanche. Parce que je voudrais vraiment que nous puissions bien saisir ça. Je donnerai encore une partie ce soir. Lisons Apocalypse 10. Nous lisons seulement aujourd'hui versets 1 et 2. Parce que c'est ici que nous voyons, on décrit cet ange-là. Son aspect. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Seigneur Jésus, nous te remercions encore ce soir pour nous avoir donné cette grâce de nous retrouver, communiquer ta parole et ton peuple sur la recevoir. Assiste-nous ce soir encore par le Saint-Esprit pour que nous soyons posés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Je ne peux pas revenir sur ce que nous avons vu le dimanche parce que nous gagnons du temps. Et nous avons bien compris à partir du dimanche que cet ange puissant qui descendait, c'était bien Christ. Et le fait qu'il avait l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, donc c'était, l'arc-en-ciel signifie alliance. Et nous avons donné quelques déclarations du prophète. Et pour cela, par conséquent, c'est qu'un ange, l'ange là avec l'arc-en-ciel, c'est qu'il était l'ange de l'alliance. Donc Christ avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, tel que décrit dans Apocalypse chapitre 10, il descend comme ange de l'alliance. Et nous donnerons des déclarations du prophète. Il va monter quand Christ est sous forme de l'ange de l'alliance, est appelé ange de l'alliance, il est alors la colonne de feu. Et il va encore décrire les aspects en tant qu'ange de l'alliance. Donc cela est en train déjà d'écarter la pensée que c'est Jésus physique, Apocalypse 10 qui descend. Non, c'est pas ça. Mais comme nous disons, nous respectons la croyance de chacun. On ne dit pas, on n'a pas renvoyé négativement comme si pour mépriser, mais nous montrons que la façon que nous voyons dans notre église est différente. Et nous avons suivi, nous avons reçu le message du temps de la fin. Je suivais la chanson d'un frère Patrice de Kinshasa où il a chanté sur son voyage à Malibu.
Il a trouvé quelqu'un. Il était le centre d'attraction de tout le monde. Et l'homme était assis, il a posé ses pieds sur la chaise en repos. Et il était l'objet d'attraction, tout le monde le regardait. Vous savez que Frère Bannon, quelquefois, il évoque les chansons des cantiques. Il dit que ce sont des choses que nous devons aussi diffuser par des cantiques. Quelquefois, quand il prêche, voyez, il évoque aussi, il rappelle des paroles d'une chanson, d'un cantique. Parce que le prophète dit que Dieu édifie son église par des cantiques et aussi par des prédications. Mon prophète doit amener Zambi ou son bel oui bekele kabi dekele jewenda kumi sambu itu bimbei oui bekele kabi dekele jewenda kumayisha tu bayisha. Alors notre bien aimé frère chantait, il disait que il était à Malibu. Mwana tu wabel mumunanga kangimba umunga chumadimbo wambeni ufumika la muye ku Malibu. Il a fait quelqu'un qui est assis mais était le centre d'attraction de tout le monde. Malibu kwaye kusanga na imuntu mukwabo musomba muntu amuika lo kokante mayabantu bons. Et quand s'est approché, il dit, savez-vous, c'était mes frères. C'était Satan en vacances. Et quand vous voulez savoir pourquoi il était en vacances, il a jeté le trouble dans les camps des chrétiens. Alors maintenant lui est en repos. Et les chrétiens se tiraillent entre eux. Voyez des petites choses comme ça. Quand on offre dans les messages ou un du message, chante des cantiques comme ça, c'est déjà inspiré aussi. Et quand vous êtes dans la méditation et que vous suivez attentivement les chansons pour vous entrer dans la prière ou dans le temps de repas après la prière, vous allez, parce que tous les frères qui ont cru ce message, leurs cantiques ou chansons sont centrées sur les messages. Vous remarquerez toujours qu'il y a quelque part où le prophète a parlé de quelque chose qu'ils ont chanté. Surtout l'Ifoko, lui ce cantique c'est vraiment le message. Et nos choristes aussi qui chantent ici, Chorale Luna, ainsi de suite. Alors voyez, quand je suivais cette chanson-là, ça m'a aussi amené à une façon de voir les choses. Donc le diable nous a laissé dans la distraction. Nous tiraillons entre nous. Et lui se retrouve en repos. Il a jeté le trouble dans les camps. Alors à ça j'avais dit qu'alors moi non. Et peut-être si je peux réfuter une compréhension de quelqu'un, mais avec beaucoup de réserves, mais pas vraiment écrasé, méprisé, tout ça. Non, nous avons cru le message. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette divergence de vue. Il avait dit dans le livre d'exposé de cet âge, il dit, à un point de doctrine donné, on peut avoir des petites divergences sur ça. Mais ils montrent que l'ange
puissant qui descend avec l'arc-en-ciel, comme nous allons aligner les déclarations du prophète. C'est Christ qui descend comme messager. Il doit avoir un message. Alors Christ est comme ange avec arc-en-ciel, donc il est l'ange de l'alliance. Christ Alors, en tant qu'ange de l'Alliance, écoutons les prophètes. Christ est comme ange de l'Alliance, il est sous quelle forme? Je commence par l'ange de l'Alliance, le message l'ange de l'Alliance. Il a prêché le 1er mars 1954. Paragraphe 32 et la partie B. Suivez ça et écoutez. Vous savez que les apôtres en leur temps passent, je médite aussi là-dessus. Ils ne se promenaient pas avec des Bibles pour aller prêcher. Mais ce qu'ils avaient entendu, quand Jésus leur parlait, et ce qu'ils recevaient quand on lisait la loi de Moïse dans les synagogues avant qu'ils croient en Jésus, ça avait pris la place en eux. Et le Saint-Esprit vivifie la parole que vous avez au-dedans de vous. Et Jésus a dit que quand le consolateur viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vivifie la parole. Et au moment approprié, il remonte cette parole dans votre pensée. Et vous rappelez que Dieu me dit ceci face à cette situation. Alors, relisons la parole de Dieu. Déclaration du prophète. Si vous n'avez pas de stylo, mais écoutez quand même. Nous sommes dans le point Christ comme ange avec la colonne de feu, il est l'ange de l'alliance. Apocalypse 10. Christo, Alors, en tant qu'ange d'alliance, qui est-il? Il a quelle forme? Parce que c'est ça Apocalypse 10. Frère Banham revient d'abord au début, dans le commencement, la façon que Dieu travaillait depuis les âges. Dieu descendit dans une colonne de feu, appela un homme qui était appelé et qui l'avait fui. Donc il parlait de la colonne de feu, c'était l'ange de l'alliance. Je vous dis que le ange de l'alliance, nous le savons tous. Tout lecteur de la Bible sait cela. Que c'était le Logos qui était Christ. Il se réfère à l'expérience de Moïse dans le buisson ardent. Mais que la colonne de feu qui était voilée dans le buisson ardent, c'était l'ange de l'alliance. Il dit, nous les savons tous. Et tout lecteur de la Bible sait que c'était le Logos qui était Christ.
Christ. Retenez déjà cela. Si cet ange l'Apocalypse 10, Christ descend sous la forme de l'ange, l'ange de l'Alliance, c'est qu'il n'est pas dans sa forme, il ne descendait pas dans sa forme physique. Nous prenons la brèche. Paragraphe 29. Ici, le prophète parle même de l'Apocalypse 10. Il décrit même cet ange d'Apocalypse 10. Parce que cet ange tenait un petit livre ouvert. Nous prenons le verset 20, paragraphe 29. Nous reviendrons à cela. Ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Nous reviendrons à cette citation, mais pointons notre point. Il dit, prenons donc Apocalypse 10 un instant. Pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Il dit, bon, ceci se passe au temps de la fin. Donc Apocalypse 10 se passe au temps de la fin. Il dit, écoutez. Maintenant, il reprend ce verset que nous avons lu dans Apocalypse 10. Ici, c'est le prophète qui interprète. C'est pourquoi nous prenons l'interprétation du prophète. Il relit le passage. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Sœur, que ça puisse vous pénétrer. Frère, que vous puissiez entendre. Vous pouvez voyager. Vous pouvez déménager d'ici. Vous vous retrouvez à un milieu où il n'y a pas une assemblée, peut-être qui voit, peut-être comme nous voyons. Et il n'y a que cette assemblée-là. Vous ne pouvez pas rester à la maison. Il faut aller communier avec vos frères. Mais quand vous entendrez, on parle l'Apocalypse 10, pourvu que vous avez déjà la base, et vous comprendrez comment le prophète a parlé. C'est pourquoi je ne voudrais pas m'empresser pour terminer aujourd'hui. Je veux vraiment que nous puissions bien comprendre ça. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descend du frère Banam, relit le passage. Il lit ce passage. Maintenant, au paragraphe 30, il explique. Si vous remarquez, il dit, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Vous voyez? L'ange de l'Alliance. Il vient tout droit au Juifs. Mais il s'est corrigé après. Et je voulais tirer l'attention qu'il a montré que c'est Christ. Et dans l'Ancien Testament, il était appelé ange de l'Alliance. Et là, quand nous avons lu dans l'ange de l'Alliance, nous avons suivi qu'en tant qu'ange de l'Alliance, il est la colonne de feu. Je prends le premier saut.
Paragraphe 196 ou 196 à 197. Nous, avec l'anglais des Belges, 196 et plutôt les Français de la Belgique, 196 à 197. Tout le temps, tu as dit que tu as dit que tu prophète. Pourquoi tu as dit que tu as ni sambongu tinu kaluka ma makumichi temba ni mwanda muteketa bivumpasta wamba bikwa bobi mudiba longlolana buzaba mudiba bokulo mumatungu. Ok, nous sommes au paragraphe 196, le premier sou. Tu dis kuka somu kamelo kaluka ma makumichi temba ni kisambongu muchi tampi cha kumpa. Notez que ces citations que je donne fundai nous lamani mei mamba anifila, c'est pour prouver que cet ange là qui descend, Apocalypse 10, le prophète confirme que c'est l'ange de l'alliance. Et en tant qu'ange de l'alliance, qui est-il? Est-ce que c'est Jésus physique? Dans son corps physique. Et nous avons suivi d'abord le prophète nous dit que tous savent que Christ comme ange de l'alliance, il est la colonne de feu. Donc ce n'est pas Jésus physique. Maintenant, dans les premiers sons, le prophète répète encore Apocalypse 10, paragraphe 196. Mais dans les derniers jours, dans ce dernier âge, le messager ne doit pas commencer une réforme, mais il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs ont laissés, les rassembler, les résoudre pour les gens, pourvu que ça vous entre dans les oreilles. Maintenant, il prend le livre d'Apocalypse 10, notre verset. Il vient encore là-bas. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Paragraphe 197. Il dit encore, bon, nous avons vu la même chose, et c'était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'église. Très bien. Il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'alliance, et ainsi de suite. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Pour nous ici, c'est le prophète qui interprète Apocalypse 10. On peut donner des explications par les gens, mais ici le prophète pointe ses verset et nous montre ce que ça signifie. Troisième endroit, quatrième, dans des âmes qui sont maintenant en prison. Prêcher le 10 novembre 1963. Paragraphe 156 à 157. Écoutez ça. Même si vous n'avez pas pris de notes, mais que ça entre dans vos oreilles. Que vous soyez une église bien enseignée, une église bien posée. Alors nous ici, quand le prophète parle, c'est ce que nous retenons.
C'est pourquoi je ne voulais que les prophètes. C'est comme si vous écoutiez la bande. Maintenant, dans les âmes qui sont maintenant en prison, il parle toujours d'Apocalypse 10. Ceci nous étonnerait. Si après que vous ayez entendu ces choses de vos propres oreilles, comment le prophète interprète Apocalypse 10? Et vous nous envoyez encore des textos. Pasteur, voici on dit qu'Apocalypse 10 c'est telle chose. Est-ce que il vous a donné la citation? Oh pasteur, mona mbaba mbeku no bwakabuli bodi kumini ujinu. Mwino uduwambao. Mukuesha kujida ambeda mu prophète ay. Vous êtes tenté de suivre comment le prophète interprète Apocalypse 10. Nye uji musomba jilo lwe. Il explique pas. Monka chimwaju teleje. Mudi mu prophète paragraphe 56. Remarquez, c'est le message du septième ange qui devait révéler le septième ou les sept sceaux. Apocalypse 10:7. C'est là que vous trouverez ça. Paragraphe 157. Il a vu cet ange qui descendait, qui posa son pied sur la terre et sur la mer. C'est ce qui se trouve dans Apocalypse, c'est juste le prophète interprète. Il dit, c'était Christ. Et vous savez qui était Christ, nous avons montré le dimanche. Qui avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Observez-le. Vous le retrouverez dans Apocalypse 1. Le prophète nous envoie Apocalypse 1. C'est lui qui dit que c'est exactement la même chose. Nous avons lu le dimanche. Parce que si Apocalypse 10 c'est Jésus physique, c'est qu'Apocalypse 1 aussi c'est Jésus physique. Parce qu'il dit c'est la même chose. Il dit observez-le. Vous le retrouverez dans Apocalypse 1. Avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et ainsi de suite. Il est venu. Il a mis un pied sur la terre, ainsi de suite, comme ça. Voyez, il monte toujours comme arc-en-ciel, ange de l'Alliance. Nous sommes dans les signes scripturaires du temps. Alors, il parle maintenant de Paul, l'expérience de Paul. Les signes scripturaires des temps prêchés le 10 avril 1964. Et vous savez qu'on a eu beaucoup, on reçoit beaucoup de prédications dans cette église, des exhortations, des prédications. Supportez aussi l'enseignement que vous puissiez, c'est ce qui vous fixe. Parce que ceci doit vous fixer. Et nous devons faire ça. Vos aînés qui sont partis, qui sont allés dans d'autres églises, c'est ça des choses qui ont fait leur base, qui fait que là où ils sont reconnaissants.
bakadi bumbu kumu nemo ishiba muangala bakadi mumbai keleze makuobu bitu dituluongi shebi kibi vibikale biba sombeshe bimpa biba ambulishibu wanibikale bilengi ni kukadi buku babenda les signes scripteurs de temps paragraphe 60 bimanyinu bia munda mwami fundu bia bikondo kasu mkamilo kamo kumia sambo le glorieux Saint-Esprit cette colonne de feu qui était avec Moïse est ici même. Rappelez-vous, quand il était ici sur terre, il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Il alla au désert avec Christ. Il parle, maintenant il vient, il prend Moïse. Et tout lecteur de la Bible sait que si je suis lecteur de la Bible, si tu es lecteur de la Bible, le prophète dit, et tout lecteur de la Bible sait que cette colonne de feu était l'ange de l'alliance. Le Logos qui était sorti de Dieu, lequel était Jésus. Suivez bien. Je vous ai parlé le dimanche. Et puis après sa mort, il est monté au ciel. Et quand il rencontra Saul sur le chemin de Damas, il était déjà redevenu cette colonne de feu. Une fois de plus, il a même abîmé les yeux de Paul par son éclat. Comme je vous le disais dimanche, mon âme, quand elle était dans la pensée de Dieu, n'avait pas un nom spécifique. Mais durant 9 mois, quand Dieu a permis que ce corps ici se forme au sein de ma mère, ce corps de chair, comme le prophète dit, aussitôt que l'enfant sort, Dieu souffle dans cet enfant. Il introduit l'âme. Le premier homme, Adam. Frère Branham dit, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, et il créa l'homme à son image, Adam en premier, le premier homme là, Adam, qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'avait pas un corps de chair. Parce qu'à la ressemblance de Dieu, il doit avoir un corps spirituel. Rappelez-vous, frère Brandi, que l'âme de l'homme, c'est cela sa théophanie. Dieu a pris maintenant les 6 éléments constitué un corps de chair, et il y avait la chair, les deux parties là. Et Dieu a pris l'homme, l'âme il a introduit dans ce corps de chair. Parce que dans la forme qu'il était comme Dieu esprit, il ne peut pas entrer en contact avec la matière. Mais Dieu avait placé un jardin en Éden. Il fallait que l'homme entre en contact avec la matière, entretienne le jardin. Mais dans la forme spirituelle qu'il avait comme Dieu, parce que les anges n'ont pas un corps de chair, c'est comme cela qu'était Adam. Alors vous voyez, Dieu a pris les éléments de la terre, pétrole, lumière cosmique, tout ça, il a compris. Il a
fait une forme humaine. Il a introduit l'homme là-bas. Et c'est là qu'on appelait Adam. Dans cette forme-là, Adam. Parce que le mot Adama signifie tirer de la terre. Si on doit prendre ces noms-là, si on doit considérer ces noms-là, qui signifie tirer de la terre, c'est que le premier homme n'était pas Adam. Mais c'est quand il est venu dans le corps de chair, il est devenu Adam. Tirer de la terre. Mais son âme aussi a identifié à ce nom-là Adam. C'est comme toi et moi, nos âmes, nos esprits, notre être est encore à Dieu, en Dieu, dans sa pensée. Musuka wetu, nyuma wetu, bumutu wetu, bivuku vuzambi koka. Comme Dieu avait pris de la terre pour former, et par la puissance de sa parole parlée, on a dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est la loi qu'il avait placée dans la nature. Et quand la semence de l'homme tombe dans la femme, comme c'est la semence humaine, c'est le corps humain qui doit se former. Pour Adam, c'était la terre que Dieu a formée avec son âme. Il a pris l'âme d'Adam et l'Adam, il a introduit là-bas. Théophanie. Et Adam maintenant était composé de trois parties. L'âme qui est l'essence de lui-même, son esprit et le corps. Et c'est la même chose. Par la parole de Dieu et sa puissance et sa loi dans la nature, toi et moi, durant 9 mois, nous avons été formés par la puissance de l'essence de notre maman, par la semence de notre papa. Et quand le temps où le corps est sorti, c'est là que Dieu a pris l'âme qu'il avait destinée pour ce corps pour rentrer et te voilà et me voilà. Mais c'est dans le corps de chair que Adam a pris le nom de cet homme, on l'a appelé Adam. Et ton âme, c'est dans le corps de chair que ton père t'a donné le nom de Kalonji, moi Vibidila, Biaya, moi dit et toutes ces choses-là. Et maintenant, depuis ce temps-là, le Mufangol, ça va. Mais depuis ce temps-là, il aime beaucoup parler de Mufangol. Mufangol, bon, nous ne devons pas. Ok. Bon, ouais, suivant. Voyez ce que je disais. Maintenant, l'âme, quand elle vient s'incarner dans le corps de chair, et quand le temps arrive, vous devez vous séparer. C'est-à-dire que l'âme sort pour aller dans 6e ou 5e dimension et le corps reste. L'âme part avec le nom qu'il avait eu quand il était dans le corps. C'est pourquoi frère Branham, quand il regrettait le départ de sa femme, quand Dieu voulait le consoler, il a fait venir Hop. Mais le corps de Hop était dans le cimetière. Mais la théophanie, l'âme de Hop, quand il est venu à lui, il a vu Hop. Mais jeune. Parce que notre âme est presque éternelle, ça reste jeune.
Parce que nous étions dans la pensée de Dieu. La déformation, c'est dans ce corps. C'est pourquoi la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais très remarqué, Elohim, Logos. Quand il était Elohim, il était la grande fontaine. Mais il avait dans sa pensée de créer l'homme à son image. Dans cette forme où il était la grande fontaine, il fallait qu'il se confine, qu'il prenne une femme avec laquelle il devait créer pour l'homme, que l'homme le ressemble. Il n'a pas pris la forme d'un animal. Dieu, c'est un homme. Il a pris la forme humaine. Alors, quand il s'est confiné à cette forme-là, c'était un de ses attributs-là. C'est Christ. Le Logos. La colonne de feu. La lumière. La théophanie. C'est pourquoi quand une fois Moïse voulait les voir, je crois dans Exode 34, il dit, personne ne peut me voir et vivre. Je vais te placer sur un rocher. Je passerai. Je mettrai ma main. Et quand je passerai, tu me verras par derrière. Roma dit que Moïse a vu la forme. Je pouvais vous lire ça dans Exode 34. Mais c'était le Logos. Christ. C'est pourquoi Christ est en Jésus. Quand il était en discussion avec les Juifs, quand il a dit qu'il détruisait ce temple, voyez, ils étaient en discussion. Ils sortaient du temple qui était reconstruit du temps de Zorobabel, du temps de Salomon qui était détruit. Et quand Jésus les a chassés du temple, on a dit, par quelle autorité tu fais ça? Il dit, détruisez ce temple. Et en trois jours, je vais le relever. Elle ne comprend pas qu'il parlait du temple et de son corps. Et pensez le temple là qu'on avait reconstruit. Il dit, ce temple ici, on l'a conçu pendant, je crois qu'il parlait, 46 ans. Et toi tu vas le détruire et reconstruire en trois jours. Et quand la discussion a continué, ils sont tombés sur Abraham. Et il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, et regardez cet homme-là, Jésus de Nazareth. Et Marie a mis au monde. On dit que toi, tu n'as pas encore 40 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Vous voyez, qui parlait? C'est Christ au-dedans de lui. Parce que c'est lui qui, avant qu'Abraham fût, Christ était là, le Logos. C'est pourquoi Christ est venu entrer en Jésus. Quand il est entré en Jésus, il a pris un nom humain, Jésus. C'est pourquoi Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est pourquoi quand Dieu, le Logos, la théophanie, tout ce que vous savez là, est venu s'incarner dans un corps de chair que Marie a mis au monde, le prophète de Galilée, que Moïse avait parlé, Jésus de Nazareth. Le nom là, c'est pourquoi ce nom là, comme Dieu l'a pris, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Logos, de conjuga mudilu, mobili wa nyuma, uri umweka ujimina, nuri mwa kusekene bi osubitu ribanwa bi mwa beu.
C'est pourquoi ce jour-là, quand Pierre prêchait sous l'onction, il dit que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez dit. Amen. Amen. C'est pourquoi les vrais baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus. Chassez les démons, c'est au nom du Seigneur Jésus. Clôturez la prière, c'est au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre, au ciel, sur la terre et sous la terre, un seul nom, Jésus. Jésus, c'est le nom que Dieu a porté. C'est pourquoi quand vous lisez Frère Branham, dire que Jésus est ici, ne pensez pas que c'est Jésus physique. C'est là qu'on vous dira, mais ça, on dit Jésus est ici. Bon, est-ce qu'il est physique là-bas? Christ est devenu Jésus-Christ. Christ. Jésus est ici. Moi je connais ce sourd qu'elle femme. Christ est ici. La colonne de feu est ici. Christ, l'ange du Seigneur est ici. Tout ça, tabernacle de Mbujimayi, ayez la juste compréhension. Soyez fondés. Tabernacle de Mbujimayi, soyez assis. Soyez enracinés. Quand le vent vient, ça fait comme ça, tu es toujours là, stable. Amen. Amen. Acclamez-vous vous-même. Yes. Yes. C'est pourquoi, écoutez maintenant, voilà pourquoi, pour cette nuée, écoutez les prophètes. Dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Ça, notez ça en majuscule. Christ est le mystère de révélé. Prêché le 28 juillet 1963, paragraphe 629, le prophète parle. Gloire, ce grand ange de l'alliance, celui-là qui était avec Moïse dans le désert, celui-là qui vint à Paul sur le chemin de Damas, celui-là même qui a permis que sa photo soit prise avec nous, le même qui était dans la photo dans le magazine Life, c'est ça la photo qui était dans Life. Il dit le même glorieux ange de l'alliance, celui-là qui était avec Moïse dans le buisson. Jésus n'était pas encore né en ce temps-là. Celui-là qui vint à Paul sur le chemin de Damas. Du temps de Paul, Jésus était, le corps de Jésus était déjà au ciel. Celui-là même qui a permis que sa photo soit prise.
n'est pas Jésus physique. C'est le même qui était dans le la photo de la magazine. L'autre jour, la même parole par le même Dieu, au travers des mêmes canaux, par la même voix, par la même promesse, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il est ici. Amen. Amen. Dans les temps et les signes de l'union. Maintenant il tentait de parler de cette union. Paragraphe 111. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Cette photo c'était sur la terre à Houston. Ça c'était au ciel. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Un astronaute. Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. C'est ainsi qu'il était dans l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'il était lorsqu'il rencontra Saul sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Qu'est-ce que cela apporte? La peur? Non. Et la porte est l'amour qui vous unit les uns les autres. Mais quand Christ descend d'Apocalypse 10, Jésus, le corps, devait se retrouver où? Rappelez-vous, quand Jésus passait et que Jean baptisait, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, c'est cette partie que nous allons voir les dimanches. Ah bon? Il y a encore un peu de temps. Frère Banam dit, quand nous prenons le message, quand leurs yeux s'ouvrirent et il est reconnu, prêché le 12 février 1963, paragraphe 144, eh bien, si Dieu est ressuscité des morts et qu'il est ici ce soir, il l'a promis, eh bien, son corps physique se trouve sur le trône de Dieu. Il est assis sur le trône, mais le Saint-Esprit est ici. C'est Christ sous la forme de l'Esprit. Le mot Christ signifie oin. Cette onction qui était sur lui et sur l'Église, vous tous, est-ce que vous suivez ça? Le corps Jésus est dans la gloire, mais nous reviendrons à ça. Ah bon, là où j'ai souligné. Non, je ne suis pas arrivé là où j'ai souligné. Nous avons encore 15 minutes. Voilà. Maintenant, nous prenons. Il est comme un messager. On dit que Christ, nous avons défini que l'ange signifie messager. Tout le monde, je vous ai dit, moi, 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 je vous ai dit, mo
quelqu'un qui est envoyé avec un message. Maintenant, si Christ vient, il descend comme ange, c'est qu'il est messager. C'est qu'il est porteur d'un message. Voyez-même quand frère Banam prêchait, quand il disait que l'ange du Seigneur est ici, qui parle au travers de lui pour discerner les pensées? Vous disiez que vous ne pouvez pas voir la visite d'un ange sans qu'il vous donne un message. Frère Banam s'écartait et l'ange l'occupait. La personne qui venait lui communiquer: tu souffres de telles choses, tu viens de tel endroit. Il reçoit son message qui lui concerne. Donc l'ange est toujours porteur de messages. Quand Christ dans Apocalypse 10 descend comme ange, c'est qu'il doit être porteur de messages. Quel message? Relisons encore Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. C'est là que le prophète dit, si vous lisez Apocalypse 1, c'est la même personne, c'est le même ange. Lisons un peu ici. Apocalypse 1. Quand Jean dans l'île de Patmos avait entendu la voix derrière lui, je suis dans Apocalypse 1, 12, je me retrouvais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or. Au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme, vêtu de longue robe. À partir de 14 jusqu'à 16, on dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, ses yeux comme des flammes de feu, ainsi de suite, ses pieds comme des semblables à l'airain, ainsi de suite. Ce que le prophète dit, que c'est la même personne dans Apocalypse 10. C'est le même dans Daniel. Dans Daniel, Jésus n'était pas encore né. C'était Christ toujours. Nous allons approfondir ça le dimanche. Donc vous comprenez qu'Apocalypse dit, en aucun cas on peut le rapprocher à Jésus physique. Parce que c'est la même personne d'Apocalypse 1, c'est la même personne dans Daniel 7, Daniel 7 je crois, ou 10, Daniel 10 et Daniel 12. Chapitre 10. Chapitre 10 et 12, c'est la même personne. Au temps de Daniel, Jésus n'était pas encore né. Mais Christ existait déjà. C'est la même personne ici. Parce que du temps de Daniel, il avait dit un temps de temps et la moitié d'un temps. Mais ici il a dit, il n'y aura plus de temps. C'est le même ange. Maintenant verset 2,
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Un petit livre ouvert. Il descendait avec un petit livre ouvert. C'est la partie très importante maintenant. Maintenant, c'est le prophète qui va expliquer. Comme je l'ai dit ici, Christ est comme ange. Il est porteur de message. Descendant avec le message. Ce livre-là qui était ouvert. Il s'agissait de quel livre? Nous sommes, je crois, dans la brèche. Nous sommes revenus. Non, pardon. Oui, la brèche. Paragraphe 28. Il dit, nous allons interrompre ici quelques instants. Ça dit qu'il commentait Apocalypse. Hein? Notre lecture d'Apocalypse 5. Parce qu'il explique Apocalypse 5. L'agneau qui était là. Disons ça pour ceux qui sont venus de l'église catholique qui ne connaissent pas. Apocalypse 5. Je raconte. Verset 1er. À part l'expérience d'Apocalypse 10. Dans Apocalypse 4. Quand Jean est monté au ciel, il a vu un trône. Et quelqu'un était assis sur le trône. Et cet homme avait un livre scellé de 7 sceaux. C'est pourquoi au chapitre 5, cet homme que Jean a vu au chapitre 4 assis sur le trône. Reprenons chapitre 4 d'Apocalypse parce que nous enseignons. Après cela, chapitre 4 verset 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, quelle était cette première voix? Dans le chapitre 1er, quand il était dans l'île de Patmos, cette prévoix lui avait parlé par derrière. Ce que tu vois, écrit cela dans un livre. Quand il s'était détourné, il a vu sept chandeliers. Maintenant, quand on a terminé à lui communiquer le message de cet âge de l'église, de cette église, parce que jusqu'au chapitre 3, il est encore sur l'île de Patmos. Alors, au chapitre 4, il a vu les cieux, une porte s'ouvrir au ciel. Alors la voix qui lui avait parlé quand il était dans l'île de Patmos, il a entendu cette voix venant du ciel maintenant. Il lui dit, monte ici. Maintenant quand il monte là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il dit au verset 2, aussitôt que je fus saisi par l'esprit, et voici il y avait un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis là-bas, au chapitre 5, verset 1er, puis j'ai mis dans la main droite celui qui était assis sur le trône là un livre écrit en dedans de scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne de prendre ce livre et de briser les sceaux? Celui qui était assis sur le trône, le premier cercle de sécurité, la première ceinture de sécurité, c'était les quatre êtres vivants.
Deuxième ceinture de sécurité, c'était les 24 vieillards. Et troisième ceinture de sécurité, c'était des légions de légions d'anges. Alors qui est digne, qui était digne de traverser la première ceinture, passer les anges, avancer, écarter les vieillards, avancer, affronter les quatre êtres vivants. Qui, quand il circulait, il y avait du feu qui jaillissait. Avant d'atteindre le trône, il faut maintenant écarter aussi les quatre têtes. Et ce livre, celui qui est sur le trône, détenait, c'était le livre de la rédemption. Tous les plans du salut étaient là. Nos noms étaient dans ce livre. Il fallait qu'on prenne ce livre là. Prendre ce livre, détacher le sceau et l'ouvrir afin de connaître le mystère qui était là. Qui était digne? Jean regardait. Au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Et Jean pleurait. Pour qu'on lui a dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Du trône sortit un agneau. Et c'est lui qui a pris le livre. C'est pourquoi nous chantions quand nous croyons ce message à Banda. Alingala. Kati na misala nanga lisunge jalakite. Kolo Yesu abimaki asiko lakinga. Kolome mabiso. Kolome mabiso. Kino eko suka mobembo na biso. Kolome mabiso. Kolome mabiso. Kino eko suka mobembo na biso. Kolome mabiso. C'est vrai. La seule personne, l'agneau de Dieu, c'est lui qui est venu. N'eût été lui, qui pouvait traverser ce couche-là? Du trône, l'agneau a surgi. Il est venu prendre ses livres. Et il devait briser le sceau. Il a brisé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Le livre est ouvert. Quand on a brisé le sceau, le livre était ouvert. Quand on a brisé le premier sceau, un symbole est sorti. On pouvait deviner. Deuxième sceau. Nous lirons ça le dimanche. L'autre symbole est sorti. Sixième sceau. Quelque chose, on a vu la tribulation. Mais quand on brise les derniers, pour que le livre soit ouvert, silence. Vie. Et vous suivez les prophètes. Ces livres que l'ange d'Apocalypse 10 détenait entre ses mains n'était plus fermé. Il dit, c'est le même livre du chapitre 5 qu'on a brisé le sceau. Maintenant, comme c'est ouvert, il descend. C'est ça le message. Il descend avec le contenu du livre. C'est pourquoi il est messager. Il vient avec le message pour donner le contenu du message au septième ange qui l'attend sur la terre. C'est pourquoi il descend comme messager. Mon Seigneur Jésus, mon époux, ne vient pas comme messager.
Mon mari viendra dans un corps physique. Il avait bien dit lui-même en 1933, quand frère Branham baptisé. De même que Jean-Baptiste a reçu un message pour préparer ma première venue. Tu as un message qui va préparer ma seconde venue. Nous verrons ce détail le dimanche. Quand est-ce que ce message qui devait prendre sa seconde venue devait être donné? Frère Branham dit, observez cet ange. Pas quand il avait commencé, pas les années de préparation, mais quand il a commencé à donner son message, c'est à partir de l'ouverture de cette chose. Si ce message, l'ange puissant descendu en 63 avec le message de cette chose qui doit préparer l'épouse, comment il vient avec le message en étant prendre l'épouse, mais l'épouse ne sera pas prête? Même dans Matthieu 25, les 10 vierges, quand le Christ se fait entendre, le mari, l'époux n'était pas là. Il y a d'abord le cri. Le cri, c'est ce message. Et ce message à partir de 63. Quand les 7 ans sont venus à frère Branham, les anges sont des porteurs du message. Quel message? On lui a dit, rentre à Jeffersonville. Le temps est venu pour ouvrir les 7 sceaux. Quand ils sont remontés, ils ont formé cette nuée. Mon frère, non, je ne vais pas aller au-delà. Bon, mais nous voyons les choses comme ça. C'est pourquoi il faut d'abord le message pour nous préparer. C'est ça l'écrit des commandements. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Les 10 vierges se réveillaient. Mais l'époux n'était pas encore là. Le message est venu les réveiller. Elles sont allées chercher de l'huile. Les vierges folles. Mais celle qui était prête, l'époux est venu. L'époux vient après les cris de Matthieu 25. Et les cris de Matthieu 25, c'est ce message. Et c'est ce message qui est descendu depuis Apocalypse 10. Christ comme ange de l'alliance, comme la colonne de feu, devait descendre dans cet âge avec le message pour donner au septième ange 10-7. Et le septième ange nous a porté pour notre préparation pour la seconde venue du Seigneur. Apocalypse 10, ce n'est pas Jésus physique. Mais nous viendrons présenter ça selon les citations avec les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Zambi and Benisha.